Bon, ici nous venons de lancer l'éclairage public sur l'avenue Bypass, sur son tronçon compris entre l'échangère et le rond-point Gaba. Et à partir de la semaine prochaine, on va continuer maintenant de rond-point Gaba jusqu'à Ozone. Il s'agit de la continuité de notre opération, d'éclairer suffisamment la ville de Kinshasa. J'aimerais rappeler ici, quand nous avons pris la ville de Kinshasa comme gouverneur, il y avait une absence, je dirais même incommensurable, de l'éclairage public. Le boulevard du 30 juin, rien que le boulevard du 30 juin, il y avait que 7 lampes qui s'allumaient. Aujourd'hui, je pense que la ville est suffisamment éclairée, surtout les avenues principales de notre ville sont éclairées. Et nous continuons cette opération qui rencontre beaucoup de sentiments positifs dans les chefs des habitants de la ville de Kinshasa. Alors, vous savez, l'éclairage public aide à réduire sensiblement l'insécurité dans les avenues de Kinshasa. Ça permet aux usagers de la route de voir de façon bien éclairée les virages, ainsi que le croisement des avenues. Et ça évite aussi des accidents, surtout la nuit. Ça permet aussi aux Kinoises et aux Kinois qui exercent l'activité économique nocturne de pouvoir continuer tranquillement dans leurs activités, dans leur commerce, et de ne pas avoir un sentiment d'insécurité. Alors nous sommes très ravis de voir la façon dont les Kinoises et les Kinois sont contents de voir comment est-ce que l'éclairage public ici dans la ville de Kinshasa est réhabilité. Ici, sur le tronçon compris entre l'échangeur de Limété et rond-point Ngaba, il n'y avait pas de poteaux. Il n'y avait pas de lumière non plus. Nous avons acheté des poteaux. Nous avons mis des lumières, donc des lampes, qui sont d'ailleurs des LED, pour éclairer la ville dans sa partie, donc la partie nord. Ici, nous sommes dans la partie nord de la ville de Kinshasa. Il s'agit de la commune de Lemba, sur l'avenue Bypass. Alors, chapeau bas à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a poussé donc à travailler d'arrache-pied pour éclairer la ville de Kinshasa. Merci. Bypass, mission de l'Ebeli, vraiment, et ça là qui est beaucoup dans ce monde. Au sommet, on a des gens qui sont vraiment, tu es venu vraiment avant, ils allaient bien. Mais tu as eu mon dégât, comme mon lili. Derrière moi, tu es quoi, Yakawa, mon aîné. Et quoi, Yakawa, pour la nuit, tu as eu le télé. Alors, ce qui est lumière de côté, et vous allez s'en. Au moment où ce qui est lumière de ça, au commun, on a fait, vacciner, vous allez faire mingi na Katia Mboka, na Katia Vilde. Donc, il y a eu que ce mingi, vaccinant na Katia Yanzela, et ça, vous allez lumière. Ce que tu as dit, c'est que tu es au Matakunda vraiment lumière et zate. Le gouverneur a Kennedy Bosso vraiment, tu es vraiment Moussala Madame a Kennedy Bosso vraiment. Ce qui a sali encore vraiment, tu es au Matakas. En tout cas, l'initiative a apprécié à Nazo Sepelanango Matakas.
nous appuyé à 100% parce que nous avons battu les bénis, nous avons zinga zinga, nous avons opé, nous avons les caramacolo. Ceux qui attendent aux gens à air tardivement, lumière publique et ça vraiment bien. Nous avons ceux qui ont un éclairage public, nous avons un croisement, nous avons un croisement et diminuer un peu la visibilité. Et qui commémore les rêves. Et ça, nous avons tout le monde traversé. Si vous avez une mine de malongate, vous avez un croisement, soit une mine de ma casse, et vous diminuez la visibilité, et vous avez un accident. Donc, pour nous, vous avez un éclairage public, c'est une bonne chose. En tout cas, il y a un peu de temps pour vous. En tout cas, si vous avez lancé la lumière pour le moment, c'est que vous avez un peu de temps. En tout cas, si vous avez un peu de temps, félicitations. L'avantage, c'est que vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un problème de courant. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de sécurité et de sécurité. Ah ouais, moi, je suis tout le temps sous les endettés. Donc, la lumière, tout le monde vient et fait ça, mais ça, ils sont moi, c'est à ma case. Donc, personnellement, merci d'abord, en tant que moi, dans mon cas. Donc, la Zara, la Macanici, à combattre la population, ça m'a pas qu'il s'est né et bien, en tout cas, je suis très bien à ma case. Difficulté, il s'agit en Zéla, au Bakouta, dans Kanango. Tellement, Zélé, Zala, Ramon, Lili, ma case, dans Boutou. Ce qui lumière est zaté. Il y a beaucoup d'accidents où ils ont se commettre si souvent dans Nzela à cause de la lumière. Au moment où la remorque est stationnaire, tout en ciment, la moto, tout cela c'est dû à manque de lumière. L'initiative de Zaki Toko, c'est à féliciter. Parce que ce qui ont une lumière, les lots, tellement Mboga, ils ont bon, ils ont en marche et en plus de ça, ils agissent en Zéla parce qu'ils ont la facilité à rouler ce qui est lumière et Zali. Nous félicitons le gouverneur et la ville pour l'initiative et l'éclairage public en Zéla. Nous félicitons le de Kinshasa, une des agités, Baba la mine des agités, même à l'avenue du 30 juin, tout d'ailleurs à Minda Sambo, et Valé Copela. Les lots sont allés à l'avenue du 30 juin, au Tali, au Val Mumba, au Tali, au côté aéroport, au monde de Minda et Zaropela partout, au Kida Bandal, à Kassaboubou, à la commune de Kinshasa, à Lingwala, à Baba la Banzela et Zaropela, au Minda. Vous avez donc un petit tapisso, tout d'abord, il y a pour éclairer. Nzela, il y a Kinshasa, pour être sécurité et à Nzela, et pas à Bakoumbi en tout cas, mais sécurité et à la, on a Bandeko, on va faire la commerce de Bango, Naboutou, Bakoua Teka, Landengue à Malamou, Landengue à sécurité, et insécurité et diminuer sensiblement la carte de Yambo Kanabiso Kinshasa. On a toujours Bunda, Colonion sort. La vision et la présidente, on ressent la selon visionnaire, pour éclairer suffisamment la ville de Kinshasa, la bandit de Minda, et là au côté partout. Nous avons bandit Kobanda échangère alimentée, qui nous rompons là-bas. Et à partir de la semaine prochaine, nous continuer à partir de rompons là-bas, Kokoma la Bozone, puis côté Kuna et avenue à Poids Lourd, nous ressentons la semaine prochaine, la bandit et Samuinda et au Banaropena. Nous connaissons Malem, deux heures au Poussana, et Kino, Kinshasa, et puis la Mouinda, la Babala, la Nyonso, et Tozarango, la Bati, la Kinshasa.